Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Yacine. Arrête de crier comme ça, c'est le dernier week-end avant la rentrée et on va faire un prank deux fois. Les gars, dans cette vidéo, on va remplacer le mot rentrée par le mot kebab. Je sais que vous voulez pas qu'on parle de rentrée ni d'école. Il reste encore 48 heures, Yacine. 48 heures, ça prend du temps à passer. Oui, mais d'ailleurs, le jour de la rentrée. On va s'embrouiller, on va se battre. Le jour du kebab. On a d'ailleurs l'idée formidable, Yacine, tu peux leur dire. En gros, aujourd'hui, comme tous les ans, on fait, on va envoyer Myriam à l'école avant la rentrée. C'est-à-dire qu'on va penser que c'est l'heure de la rentrée. Sauf que là, c'est crédible parce qu'il y a une vidéo d'Emmanuel Macron, il dit qu'il va avancer la rentrée. On va aller dans la chambre de Myriam, on va lui faire passer une journée vraiment dégueulasse. Vous allez tous rigoler avec nous. Objectif combien de likes? Objectif 5000 likes, les gars. Let's go. C'est parti. Salut. Non mais t'es sérieux, t'es pas prête là? Myriam, j'ai pas blague avec toi. On est samedi. Samedi, y'a quoi samedi? Y'a rien. Mais c'est la rentrée avancée, Myriam. T'as dit ça, c'est faux. Monsieur Emmanuel Macron, il y a une vidéo, je vais te la montrer. Il a avancé la rentrée, faut que vous ayez voir vos profs, avec qui t'es dans la classe. Et vous allez voir votre classe, il y a la variole du singe. C'est des fausses rumeurs, ils disent tout ça. C'est pas des fausses rumeurs, Myriam, je rigole pas avec toi. Je te crache dessus parce que là t'es pas prête, t'es en pyjama. Les abonnés sont déjà prêts à aller à l'école. Qu'est-ce que tu fais? C'est faux, mais comment? Depuis quand on a école le samedi, on est pas au lycée? Myriam, la rentrée elle a été avancée, tu comprends pas le français. À 14h faut y être. Pourquoi elle a été avancée? Parce qu'il y a la variole du singe, je sais pas quoi, il y a plein de trucs. Faut avancer la rentrée pour que, comme ça, vous voyez. C'est quoi les consignes de sécurité? Ah, tu vas pas vesquier, hein, Myriam, arrête de croire, tu vas y aller hein, à 14h. Je veux dire, là, il va te changer, on va aller faire quelques achats en ville, on va manger un peu et l'après-midi, tu vas à l'école. Vas-y, grouille. Mais pourquoi elle faisait Emmanuel Macron? Je vais te montrer la vidéo. Vas-y, montre la vidéo, moi je me lève pas tant que t'as pas montré la vidéo. Vas-y, j'arrive. Regarde, monsieur Emmanuel Macron, écoute, ouvre tes oreilles là, ouvre tes oreilles, toi tu veux pas me croire. Pierre Macron a avancé la rentrée scolaire au 20 août pour l'année prochaine. Concernés par la rentrée. Écoute. En fait, ça ne sera pas véritablement une rentrée scolaire comme on l'a vu. Tu vois? Rattrapage, renforcement scolaire, il faut que j'y aille pour l'année là. Tu vas y aller, tu vas apprendre tes cours, tu vas bien réviser, tu te prépares, on y va. Allez, à 14h ta rentrée. 14h. Mais c'est la pire rentrée de toute ma vie. Mais j'ai fait quoi pour que la rentrée de cette année elle soit comme ça? Myriam, c'est rien, c'est l'école. De toute façon, tout passe dans la vie. Tu vas rentrer à l'école, ça sera bientôt les vacances. Que 2 mois à tenir, c'est tout. Après, c'est les vacances d'octobre. C'est pas que 2 mois, c'est 6 mois. Et en plus, maintenant, on peut le faire. Bientôt l'école. 8h du matin. Oh, les amis, je pense que ça va être le pire jour de sa vie. Ça va être pleure pas, Myriam. Pleure pas. C'est rien, c'est que l'école. Écoute-moi, Myriam. Écoute, on va passer une après-midi dehors. Et après, avant 14h, on va se détendre. Donc, je t'emmène manger, je t'emmène au magasin. Yacine, tu fais comment? J'ai pas de goûter, je sais même pas que c'était aujourd'hui la rentrée. Et bah Younes et maman, ils vont t'emmener au magasin, ils vont t'acheter ton goûter. Comment ça, Younes, il va t'acheter. Comment ça, je vais acheter quoi moi? Ah, tu vas lui acheter son goûter pour l'école. Pourquoi moi? Toi, va toi. Parce que t'es le plus grand. Vas-y, prépare-toi, on va aller vite au magasin là. Vas-y, habille-toi, Myriam. Vas-y, bon bah. Et tu vas pas vesquiller l'école, arrête de croire. Hein. C'est le jour de la rentrée, c'est comme ça, c'est l'école. Toi, je suis proche, paye. Parce que frère, t'es le plus grand. 1 hour later. C'est bon, Myriam, arrête de bouder. Non, petit sourire là, c'est rien du tout. Et là, tu sais quoi, on va aller au magasin. T'as 20€. 20€ pile poil. C'est bon, t'es content? T'as oui. Grosse tête? Oui. 1€, pas tu plus. Tu payes? Oui, je paye 20€. C'est moi, je dois lui ouvrir la porte. Et moi, je trouve la porte. J'arrive pas à ouvrir. Prépare-toi parce que dans quelques heures, il y a l'école là. Arrête de me remettre aigri. Passons 20€. Le temps est en marche, elle est rentrée au magasin. Elle a une tête, elle a trop la rage. Là, faut que j'arrive à lui faire penser à autre chose. Après, on lui refait penser à l'école, ça va être trop drôle. Hey, il me faut des écouteurs pour la récréation. Pardon? Comment ça, des écouteurs pour la récréation? On n'a pas le droit à la récréation des écouteurs. Moi, je dis récréation, moi, je dis pour la salle. Pour la maison, ouais, si tu veux, mais pour la récréation, c'est. Hey, commence même pas à faire des bêtises cette année. Hein. Non. Je vais pas blaguer avec toi, ça coûte combien ça? 2,99€. Or ou argent? Prends argent, c'est mieux. Mais c'est le même prix. Ça te fait qu'il te reste 17€. Les rayes, moi j'ai trouvé un truc pour le setup. Ça, c'est des petites lumières. Moi, on les accroche au mur et ça va faire plein de lumières. Une du côté de Yacine, une du deux côtés. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, quand on va filmer les vidéos, ça va être une masterclass. On pourra mettre lumière verte, jaune. Vas-y, vous avez trop de chance. Vous n'allez pas à l'école. Ça commence à m'énerver. Attends, mais tu crois que moi, quand j'avais ton âge, j'allais pas à l'école? J'ai fait plus de 20 ans d'école. Chacun son tour, frère. Maintenant, c'est à ton tour d'aller à l'école et après, dès que t'as fini, tu seras comme moi. Bah, Myriam, prends-toi un petit jouet. Mais je peux pas, je vais à l'école. Et alors, prends-toi un petit jouet, ça fait plaisir. Mais je peux pas. Vous, jamais vous avez une rentrée samedi. Bah, c'est vous. C'est pour avoir les devoirs de vacances ou je sais pas quoi. C'est monsieur le président qui fait ça. C'est rien, ça te fait un jour en plus. Wesh, tu vas samedi. Après, tu reprends l'école normale. Wesh, elle va où? Oh, Myriam est en train de bouder, les amis. Là, il y a des ballons. Vous savez que moi, je suis un footballeur pro. Regardez. Oh, la balle, elle est incroyable. Regardez le geste. La personne sait le faire. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Poum. Je vais le recommencer. Je vais en faire un autre. La bloque. Qui sait faire ça? Qui sait faire ça avec le Nike? Regarde le Nike. Tu le vois, le Nike? Olé. Ah, Myriam, j'ai trouvé un truc d'eau, viens voir. Il y a des biscuits Twix, des biscuits Mars, et c'est des nouveautés. Mais c'est sûr, c'est bon, wesh. Regardez là, qui connaît ça? Biscuits Twix, secret sans biscuits. Regarde les biscuits Bunchy et tout. Non, moi je fais des Rizis. Non, il n'y a pas de Rizis, il y a l'école. T'as dit quoi? Non, rien, j'ai dit il y a des Bunchy, des Mars. Je veux pas. Comment ça, tu veux pas? Ben moi je veux. On va prendre ça pour le goûter, comme ça dès qu'elle rentre de l'école, elle va avoir ça, ça va être incroyable. Choco biscuit Milka, c'est le meilleur goût possible, les amis. Il y a tellement de choix, tellement de chocolat. Action, ça coûte que 1€. Ça, je suis venu ici, moi je suis le roi des. Moi, déjà que je suis pas contente d'aller à l'école.
l'école, bah, je veux m'acheter ça. C'est quoi ça en fait? Tu dois colorer ta casquette. Ah, c'est toi qui fais ton propre design? Ouais. Wesh, c'est quoi ce truc de fou? Ok, ça coûte combien? Parce que t'avais 20 euros, je te rappelle. 2 euros. 2,79 €? Mmh. Arrête de parler de l'école, là, je rigole avec toi. Ah, les bonbons, tu veux, hein? Oui. Les bonbons, là, t'es contente, hein, les bonbons. Oh, regarde, il y a quoi? C'est quoi ça? Je sais pas, c'est quoi. Comme ça, dès que tu rentres de l'école, t'as ça en vrai. Les grandes tiges comme ça, là, c'est une dinguerie, les bonbons qui ouais, piquent. Ouais, mais j'ai pas envie de prendre. Moi, j'ai envie de prendre un truc que je connais bien. Et regardez, ce qui est bien, c'est que regardez, il y a marqué quoi là? Hellel, Samia, tu prends cela du coup? Non. Elle est trop indécise pour choisir des bonbons, on dirait, elle choisit une voiture. Ça, oh, les gars, c'est les meilleurs, si tu les sprays. Bah prends ça. Ou alors il y a ça. Je peux prendre 2. Ça coûte 69 centimes, prends-en 2. Ça fait même pas 2 euros. Les gars, si je mets ça dans mon sac à l'école, ah ça rentre. Tu vas prendre ça à l'école. Tu veux je blague. Je rigole. Là tu veux blaguer. Non mais rien, écoute-moi bien. Prends le panier, tu le reposes. Allez, tu non, reposes, non, je prends rien. Non, 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 non tu veux faire des bêtises, prends le panier, je repose. Je rigole. T'es sûr que tu rigoles? Attends, je peux raconter une anecdote sur cette peau. Ouais, y'a quoi? Tu vois, genre il y a une américaine, elle achète tout ça, tout un pack, et tu sais, fait quoi? Elle est vide et après elle prend une gaufre, elle trempe dedans et elle mange. Et c'est quoi le but de faire ça? Je sais pas, d'avoir le diabète. Bon c'est bon, arrête de faire la tête, j'ai un truc à te proposer. Si t'arrives à faire le défi, tu vas pas à l'école. Oh regarde, tu vois ici là, t'as une haltère de 10 kilos. Si t'arrives à la soulever, à faire 3 répétitions comme ça. Là? Non, la 10, la 10. Bah c'est celle-là la 10. Ah, c'est non, 6, commence pas à tricher, c'est 10. Tu dois faire combien t'as dit? 3 répétitions. Allez. 1, 2. Eh, t'es trop forte. 3, bien joué, je rigolais, hein. Tu vas quand même à l'école. On ressort des courses, les gars, action, c'est grave, pas cher, je kiffe trop venir là. On a pris tout le magasin, on n'a pas payé vraiment cher. Avec des abonnés, c'est le code familial, c'est code. Venez, on fait une photo. C'est gênant, les règles. J'aime pas l'école. Oh, tu parles de les. C'est rien, tout le monde va y aller, tous les enfants de la planète, regarde. C'est moi. Oui, ça va, tu vas bien? Ah check, ça va, tu vas bien? Tranquille. Ouais, lui, il est venu dire bonjour, c'était pas gênant. J'aime pas l'école. Tout le monde doit y aller, tout le monde va aller à l'école, Myriam, c'est obligatoire. Bah vas-y, va toi alors. Mais moi, j'ai déjà été, ça y est. Ouais, ouais, donc t'as, là, on t'as va déjà rentrer, eu une rentrée samedi? Tu fais ta petite dégustation. T'as déjà eu une rentrée samedi? Non, et toi? Eh hey, carrément, j'ai même pas envie de rentrer à la maison, carrément, j'ai envie de fuguer, ça y est, ça m'énerve. Tu fais quoi là-bas? Je veux plus venir. Comment ça, tu veux plus venir? J'en ai marre de l'école. Et alors, t'es obligé. Vas-y, salut, reste là, toute seule à pied. Vas-y, salut. Non. Ah là, tu reviens. Je rentre pas à pied. On fait l'école le samedi, là. Vas-y, le samedi, normalement, c'est repos, y a pas d'école, normalement. Là, vous avez acheté des vrais trucs. C'est quoi ça? Au magasin, on a acheté une casquette comme ça que tu peux colorier. Ouais, ça, on s'en fout, mais c'est quoi tout ça, là? Là, j'ai acheté des bunchies. Wow. Une tablette de Milka. Des bonbons et bah après des lettres pour la chambre. Il y a même des talkie-walkie. Ouais mais j'ai trop la rage, faut des piles. Si on pourrait même pas les prendre maintenant. Et pendant que vous étiez dehors, moi j'ai reçu un colis de Nike. Eh bah attends, regarde, on a pris ça pour décorer le setup. C'est quoi? C'est des LEDs. Ah c'est des LEDs, c'est trop bien. Ouais, tu refais. Moi je vais te montrer, j'ai reçu un colis de Nike, je vais l'ouvrir devant vous. Attends, mais d'abord viens, je fais ma dégustation. J'ai trouvé une boisson comme ça. Est-ce que vous avez déjà vu? C'est que les Américains qui ont ça. Je sais pas c'est quoi, c'est blueberry. Je crois que c'est un bon. Eh mais j'espère que t'es prête pour l'école, hein. Là il reste plus beaucoup de temps. Ouais, j'ai les bleus. On dirait du Poweré. La popo. Ah ouais, j'avoue. On dirait du Shield 50. Clairement, je pleure des yeux. Ah ouais? Mais comment t'as fait pour trouver cette boisson? C'est pas trop acide, c'est trop acide à mon goût. Oh, regardez, il y a une tête de bonhomme qui explose, ça veut dire que ça doit grave piquer de fou. Tes yeux, ils pleurent. Dans la gorge, t'as fait ça. What? Ça, c'est du jamais vu aussi, c'est des sortes de gâteaux bunchy. Mais si tu manges tout maintenant, t'auras plus rien pour ton goûter à l'école. C'est pas grave. Oh, c'est un gâteau dur. C'est au bunchy, les frères, ça trouve, c'est incroyable. Oh, c'est trop bon le bunchy. Le gâteau il est dur. En fait, ça a le goût du bunchy. Mais ça, par contre, ça se mange tout dans la bouche. Hein. Faut pas en manger un petit peu, sinon tu vas jamais le finir. Moi, je sais que je suis capable de tout finir la boîte. Tout de suite, là? Non, pas tout de suite, mais j'aurais été capable de tout finir la boîte. Je vais mettre sur 10, 10 sur 10, c'est trop bon. Alors, tu sais, c'est quoi? Genre, c'est un goût de myrtille mélangé au raisin. Quand même. Mais maintenant, je vais goûter des nouilles sucrées. Hein? Sucrées? Ouais. Mais depuis quand ça existe? Regardez. T'as été à Action? Ouais. Oh le rat! Mais regardez. C'est grave! T'as été à Action juste pour pas payer cher. Oh, bah oui. Regardez les nouilles multicolores. Wesh. Les nouilles. Attends, déjà, faut les couper un peu parce que. Non, c'est comme ça, c'est des nouilles comme ça. Des nouilles piquantes. Oh, les baguettes, elles se mangent. Elles se mangent les baguettes aussi. Ah ouais, ça se mange. Oh, incroyable. Est-ce que t'arrives à manger avec des baguettes comme une pro? Ok. Ouais, ça a l'air chimique par contre. Elle a croqué la baguette. Je peux pas apprécier parce qu'il y a l'école. L'école, de toute façon, dans tous les cas, c'est obligatoire. Hein, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, il y a de l'école. T'as déjà eu l'école samedi? Ouais. Quand? Samedi matin, quand j'étais au lycée, j'avais de l'école, je me rappelle très très bien. J'avais commencé avec 2 heures d'histoire et 2 heures de PS. C'était la psychiatrie. Après un mauvais souvenir, maintenant je vais voir mes habits. Alors qu'est-ce qu'on a reçu de la part de chez Nike? Oh là là, ça sent l'hiver, ça, les gars. Incroyable. Ça sent l'hiver, ça sent la rentrée, ça sent l'école. Ah, tu t'es mis bien.
Ça c'était les survêtements que je mettais toujours en EPS. Du coup cette année tu vas pas mettre de jeans. Non, moi je mets jamais de jeans, j'aime pas, je suis pas à l'aise dans les jeans. Miram elle a mis un jean, ah oui parce que c'est l'école. Ensuite on a... Oh il est trop beau. Je sais pas si vous aussi les frères et les garçons vous avez acheté quoi pour la rentrée, si vous avez acheté des Banaï ou alors Adidas. Dites-moi en commentaire, je sais pas ce que vous m'avez rien envoyé cette année. D'habitude toujours vous m'envoyez vos affaires. Pantalon. Oh le pantalon, il fait voir le pantalon avec le Nike orange. Fais voir le Nike orange. On voit pas bien. Il est masterclass ton ensemble. Comment ça il est moche. Il est trop stylé franchement. Mettez-moi une note de 1 à 10 aux ensembles. Et surtout si vous êtes team jean ou team survêt. On va installer les deux boules avant que Miram aille à l'école. Arrête de faire la tête, Miram, t'es chiant, vraiment, t'es chiant. J'aime pas quoi, je préfère quand tu souris. On va en installer une ici à chaque fois. Ça m'arrête pas à l'école et je souris. Une ici entre les deux cadres de code familia. On va la coller. D'ailleurs, ça serait bien qu'ils nous font le quatrième. Faut qu'on ait les 2 millions d'abonnés sur la code famille. On est presque. Abonnez-vous et partagez la chaîne à tous vos potes à l'école. On arrive aux 2 millions d'abonnés. Vous savez, c'est quoi 2 millions? On recevra le trophée, quelle couleur? Il n'y a pas de trophée pour les 2 millions. Il y a aussi 1 million pour la foot familia bientôt, Inch'Allah. Donc là, on a le premier. Maintenant, le deuxième, on va là-bas. Là, genre. Ah ouais, genre là. Ouais, vas-y, on va faire ça. On enlève l'autocollant. Regardez, c'est archi simple. Vous enlevez l'autocollant. Ici, et là c'est une surface adhérente. Est-ce que ça va marcher? Parce que action, c'est pas cher, hein, je les aime bien, mais il y a plein de trucs qui marchent pas. Alors normalement, il y a un bouton, regardez. Là, il y a on, off et les couleurs. Action, c'est trop de la douze. Mais tu veux que je te dise pourquoi ça marche pas? Laisse-le. Tu veux de pote, il a été à l'école 20 ans, mais il a rien compris. En dessous, il y a un bouton pour allumer. Ah ouais? Donc votre pote, il a rien compris à la vie. C'est on ou off? On pour allumer. On s'est fait arnaquer, c'est tout. On s'est fait arnaquer. C'est impossible, ça marche pas. Faut porter plainte. A few moments later. On vient de découvrir pourquoi ça marche pas avec Younes. Regardez. Il y a pas de piles. Action, c'est des gros rats. Ils n'ont même pas des piles. En plus, on était à la caisse. Il y avait 650 piles à 4 euros. On aurait pu les acheter. Maintenant, on n'a pas de piles. Bon, c'est pas grave, t'inquiète. Bon, comment ça. Ah, l'épicerie en bas, il y a des piles. Non. Commence à te préparer là. Tu vas être en retard à l'école, Myriam. Dépêche-toi. Ah, ça y est, c'est le moment d'y aller. Mais t'as encore un peu le temps. Joue un peu au foot avec moi, non? Mais j'ai pas le temps, je crois. Mais si, t'as le temps, il te reste 5-10 minutes. Vas-y, on fait une brésilienne de dernière minute. On va voir qui va perdre. T'es prêt? C'est parti. Oh, une pro. Oh, c'est devenu une pro, Myriam. Certes, je suis une pro au foot, mais je suis dégoûtée, quoi, d'aller à l'école. On va faire un 1v1. Si tu me prends la balle, tu vas pas à l'école. C'est bon? Ok. Peut-être qu'il va pas aller à l'école. Je lui ai dit qu'elle allait pas aller à l'école si elle me prenait la balle, mais c'était impossible qu'elle prenne la balle parce que j'allais faire la super vitesse. Myriam, tu veux attaquer? Oui. Mais c'est l'heure d'aller à l'école là, tu peux pas. Allez, go. Va t'habiller, c'est bon, c'est l'heure. Il faut vite que j'arrive à l'école avant elle, parce que ça va être une dinguerie. Bon les gars, je dois vous laisser là. Je vais aller à l'école. J'ai trop la haine d'aller à l'école un samedi. Ça se fait vraiment pas ce qu'il a fait Emmanuel Macron. Il nous a tous mis à l'école le samedi à 14h. Si toi qui regardes cette vidéo, t'es à l'école à 14h le samedi, c'est pas à lâcher un gros like. Et bah les gars, je dois vous laisser là et bah ciao. Vas-y, ils font quoi là, hein? Dépêchez-vous! Dépêchez-vous les gars, vous êtes en retard là! Pourquoi y a personne? Il est 14h, j'ai envie de te dire. Il est 14h. Qui se réveille à 14h pour aller à l'école? Pourquoi y a personne? T'as loupé la rentrée. T'as toutes tes affaires avec toi? Ouais, je vais pas pouvoir aller plus loin avec Omar aussi, on peut pas aller plus loin. Myriam, regarde-moi, viens voir. Je dis bien à ta maîtresse. On n'a pas pu faire autrement. Bon, si on est en retard, c'est pas notre faute. T'as pris le mot que je t'ai donné? Ouais. Je fais pas de bêtises. Tu parles pas avec les. Tu vois, ceux qui font n'importe quoi, ceux qui se mettent tout derrière écrit. Tu parles pas avec eux. Écoute les professeurs, tu travailles bien. Et après, on sera content et tout va bien se passer. Ouais. Allez, vas-y, Myriam. Salut. Allez, on est en forme. J'espère la prof va pas me crier dessus. Hein. Elle est trop bête. Non, y'a la prof. C'est bientôt, 8h du matin. L'école c'est le 1er septembre, c'est pas en août, ouais, je réfléchis. Il y a vraiment pas l'école, tu m'as fait venir pour rien là où je rêve. Wesh, calme-toi, c'était un prank, c'est bon. Là la famille, pourquoi on est venu ici? Parce qu'en fait on va tourner un court-métrage de fou furieux pour l'école. Ça va être incroyable, ça sortira mercredi. Abonnez-vous, likez, préparez-vous, ça va arriver fort. Qui va à l'école à 14h? Bah je sais pas, moi c'est que c'est en retard. Non. Paillasson, son nom du. Bon c'est bon, calme, on va faire une vidéo, t'inquiète pas, on va faire une vidéo.